arrêt direct, ma programme et diffusion en direct là, qu'on y a. D'avoir tout papier au logiciel tourné. Non, on dirait. Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver à l'espace Parole du Coin ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager de la poésie et du thé en cette occasion de la Journée internationale du thé. Si on dit que la consommation de thé est bénéfique pour la santé, grâce à ses propriétés antioxydants et anti-inflammatoires, nous sommes convaincus que la poésie est aussi bénéfique pour l'esprit, grâce à ses propriétés lyriques, enivrantes et envoûtantes. C'est en ce sens que nous vous présentons aujourd'hui Poésité, qui est un mélange de poésie, de thé et de discussion. Poésité, ce grand mélange de poésie et de thé, sera assuré par des invités de marque choisis sur le tas. Nous avons déjà avec nous, ici présent, Francis Amboise, étudiant en sciences politiques qui est avec nous depuis le Canada. Le poète, écrivain et responsable culturel Hagens Jean-Marie, qui est avec nous depuis Jacmel. Et aussi, nous avons Pérez Riquemi dans la cuisine technique, qui assure les manœuvres techniques. Moi, Johnny, qui assure la modération. Et bien sûr, nous avons Léonora, qui va nous rejoindre depuis Singapour, la Grande Asie, qui est le bloc où il y a les pays les plus grands exportateurs de thé. Donc, ça va être un mélange de poésie et de thé ce soir. Comme je vous le dis, c'est Poésité. Nous allons bien prendre le temps de déguster du thé et de la poésie ensemble pendant quelques minutes. Eh bien, il y a Léonora qui nous rejoint, à qui Bonjour, nous disons bonsoir. bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je vous Bonjour, présente bonjour Francis Agan. Amboise. Je vous présente Hagens, que vous connaissez bien sûr, et c'est un plaisir d'être là avec nous ce soir pour la petite activité Poésité, qui sera un mélange de poésie et de thé. Poésité, le mot, c'est un mot valise formé à partir de poésie et de thé. On a pensé cette idée avec l'équipe de Parole du Coin pour marquer à notre façon la Journée internationale du thé. Une journée qui est très intéressante, surtout quand on considère la valeur du thé, qui est quelque chose de très important dans la vie, non seulement sur le plan économique, mais aussi qui a des vertus curatives. Donc, c'est en ce sens que ce soir, en ce moment même, nous vous invitons à déguster de la poésie avec nous. Sans plus tarder, nous allons commencer avec un texte de Francis Amboise. Cette tasse de thé, pourquoi pas? Il faut débuter avec du thé, c'est Poésité, c'est un plaisir. Francis, fais-nous plaisir. Et bien le bonsoir, comme Johnny vient de le dire, je suis Amboise, mais bien avant de lire le texte, qu'il me soit permis de goûter un peu de thé. Allez-y, allez-y. Moi aussi. Moi aussi. Allez-y. Et puis, salut à Higgins et Jean-Marie, salut à Rikemis, je crois, Argens. Oui, Oui. Kermi, et puis, donc, merci, merci infiniment à Johnny de m'avoir invité. Donc, avant de lire le texte, histoire de faire une mise en contexte, donc, l'auteur, c'est Lu Tong. Il est un Chinois. Il est célèbre pour sa passion du thé. C'est un passionné. Et d'ailleurs, le poème que je vais vous lire, c'est une petite anecdote, ce poème a été écrit
en guise de remerciement à un ami qui lui avait offert un paquet de thé. Donc, l'ami, je crois que c'est Meng Yan Yi. Il lui a écrit ce texte pour lui, en guise de remerciement, comme je viens de vous le dire. La première tasse humecte lèvres égosiées. La deuxième tasse chasse solitude et mélancolie. La troisième tasse va fouiller mes entrailles desséchées, n'y trouvant que 5 000 rouleaux d'écrits. À la quatrième tasse, transpire une légère sueur, les contrariétés de toute ma vie. Partout les paroles de ma peau se dissipent. La cinquième tasse purifie chair et os. La sixième tasse me fait communier avec les immortels. La septième tasse, peut-être n'aurais-je pas dû la boire. Aussitôt un vent frais naît sous mes aisselles. C'est de Liang Tong. Merci. Oh, quel joli poème! Bravo! C'est très, très bien, bien, bien lu. Merci beaucoup. Oh, C'est, en effet, c'est un texte très joli, 7 tasses de thé. Chaque tasse a une vertu bien particulière. Je pense que Huygens a aussi un mot à dire sur ce texte, n'est-ce pas, Huygens? oui, bien entendu, j'ai trouvé le texte génial. Surtout, je ne sais pas, j'ai pas bien entendu si c'est. C'est toi, Ambroise, qui l'a écrit, non? Non, c'est un Chinois, Lung Tong. Il est né et de la, je crois, 795 avant Jésus-Christ. Ça ne date pas d'hier. Donc, Ah, c'est c'est un intéressant. Chinois. Non, c'est pas de moi. Donc, c'est un thé poétique très ancien. Oui, tout à fait. C'est un thé poétique bien vieilli avec le temps et qui nous arrive aujourd'hui par l'intermédiaire de poésie. Je trouve très intéressant. Je pense que ces 7 tasses de thé ont chacune une odeur particulière parce que, elles ont chacune une vertu particulière. C'était Tout à très fait. intéressant. Merci. Qu'en penses-tu, Léonora? C'était Pour bien? moi, j'aimerais ajouter que ce poème capte l'essence de l'engouement du Chinois pour le thé. L'herbe a été cultivée il y a à travers peut-être même les milliardaires de millions de siècles de la civilisation chinoise, afin que quand les Occidentaux arrivent en Chine, ils ont goût du thé. C'est pour cette raison a commencé parce que il y a eu c'est quoi un fort c'est quoi fin du thé chez les Occidentaux à travers le 10e siècle qui mène aux guerres opium. La guerre d'opium, il s'agit de l'opium, mais était un moyen pour forcer pour forcer le marché chinois pour le commerce du thé. C'est le thé qui a été Ah la source, oui, d'accord. le Oui, querelle oui. entre l'Occident et l'Est. Oui. Effectivement, effectivement. Merci encore une fois à Francie pour cette belle tasse de thé. Nous allons enchaîner cette fois-ci avec Argens qui va nous lire l'aveu de la main. C'est sûr, après avoir bu 7 tasses de thé, on a envie de faire quelque chose. Donc, voyons C'est voir ce sûr. que avait fait la main de Huygens. Ah oui, d'accord. Donc, moi, je n'ai pas de texte qui parle du thé. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'auteur. Le seul auteur que je connais qui a proposé disons, le thé dans ses textes. C'est Gary Victor qui a un livre, Le thé, le diable dans un thé de citronnelle. Donc voilà, après je ne connais pas d'autres auteurs, mais je vais essayer de lire L'aveu de la main car
C'est la main qui prépare le thé. On a besoin de nos mains pour préparer le thé. Évidemment. Voilà. Ça commence ainsi. Petit pays, ta main tremble. Je ne sais pas si vous m'entendez, non? Ça va? Oui, oui, ça va. Ouais. Okay. Petit pays, ta main tremble quand elle prend parole pour écouter. Devant la nuit page, devant le cœur jour et le ciel fait. Ta main n'aime ni la gauche ni la droite. Quand elle se penche pour ramasser son poing, son honneur minuscule au bout de la ruse nationale. Ni de gauche ni de droite, quand hausse sa voix hymne au peuple des papiers. Face à la mer, ta main met pays sur ta poitrine pour saluer les battements d'ailes de l'aube, le regard fatigué des eaux d'Indiens foulant la jaune mémoire des soleils en poudre. Oh oui, tu n'as que ta main pluvieuse à donner au beau temps quand la police des machettes exige qu'on te coupe la langue. Ô pays au bout des doigts, prends ma chair comme parole devant le cœur jour, au vent du ciel fait et de la nuit page. Merci, Argens, qui nous a expliqué ce qu'a fait l'armée après avoir vu cette tasse de thé. J'ai vu Amboise en train de sourire quand Argens lisait. Il y a quelque chose qui a attiré ton attention? En fait, à coup sûr, c'est un texte, c'est un très bel texte, un très beau texte, pardon, et puis très poétique. Bon, c'est de la poésie avant tout. Donc ça m'a plu, ça m'a plu. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont il l'a dit. Donc, ça m'a plu énormément. Ça m'a fait plaisir. Donc, c'est vraiment un partage. Allô? Ce partage me fait du bien. Et merci encore une fois à Johnny de m'avoir invité. Merci, merci beaucoup, mon cher. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Ouais, ouais. Oui, oui, Léonora, oui. Oui, je suis intriguée. Quel était ce pays au bout du doigt? Against. C'était quoi la question? Quel était ce pays au bout du doigt dont vous avez parlé? Vous avez quel, dit, quel est ce pays? C'est ça la oui. question. Oui. Alors, j'ai écrit le texte, disons, le pays au bout des doigts, c'est le pays que je connais, à savoir Haïti en ce moment. Mais je n'ai pas cité le nom du pays parce que ça peut être n'importe quel pays dans le monde qui traverse, on va dire, cette route chaotique dont se trouve Haïti en ce moment. C'est pour ça que j'ai laissé le pays à la disposition de chaque lecteur. Donc, chaque lecteur peut retrouver un pays, je ne sais pas, aux lecteurs d'ajouter leur pays. Moi, je connais mon pays en lisant le texte. Donc, je laisse ça aux autres de découvrir leur propre pays. Donc, mais mon pays, le pays dont je parle dans le texte, c'est Haïti. Ah, oui, en fait, oui. En fait, oui. S'il fallait choisir un pays, je pense que c'est dans mon imaginaire. C'est pas quelque chose de visible. C'est pas un lieu où l'on pourrait visiter vraiment, mais c'est quelque chose dans mon imaginaire, quoi. C'est ailleurs, je sais pas. C'est rêveur. C'est un peu ça. Je n'ai fait que me laisser emporter par le flot de mots. Par la poésie, oui, tout simplement. Moi-même, je n'ai pas à accrocher à quelque chose de palpable, vraiment. Je me laisse voyager, oui, flotter. Voilà, c'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. En l'écoutant, je me laisse aller. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Le texte a été, disons que j'ai composé ça dans cette perspective-là, parce que je voulais pas réduire la voix du poème.
Ouais, c'est ça, c'est ça. La réduire à Haïti, ce serait de confiner le texte. Et tout on à est fait. déjà assez confiné comme ça, donc je laisse ça aux autres. Et puis, d'après ce que je crois comprendre, un auteur, disons-le, un poète après tout, il a une conception du monde. Donc, tu n'es pas un poète haïtien, tu es un haïtien poète tout simplement. C'est intéressant, ça. Oui. Oui. Ça signifie, ça dans le sens de l'universalité de la poésie, n'est-ce pas? Le lecteur l'emporte, chaque poème, n'importe où il se trouve, soit en Haïti, soit dans les pays qui ont connu des bouleversements, etc. Chaque lecteur interprète ce poème selon ses expériences, n'est-ce Oui, pas? tout à fait, je suis d'accord. Évidemment, Je suis parfaitement d'accord avec effectivement. toi. Ouais. Oui, Oui, oui. il faut pouvoir voyager à travers le texte. C'est en ce sens que nous aimerions que Léonora nous conduise dans son monde à travers de ce texte. Ah Oui, pourquoi pas? oui, pourquoi pas? N'oubliez surtout pas de boire un peu de thé, c'est Un important. peu de thé, Oui, oui. ouais, c'est très Oui. important. Bonjour à tous. Bon, c'est le matin, oh non, c'est le soir. Où vous êtes, c'est le soir, n'est-ce pas? Vous êtes tous en Haïti, n'est-ce Évidemment. pas? Oui, ok. Alors, maintenant, ici, à Singapour, nous sommes le matin ici. Alors, on boit le thé du matin. Et tu as une ta tasse, elle est minuscule comme tasse. Cette tasse, oh non, Elle est cette tasse, minuscule comme tasse. Il faudrait une plus grosse tasse, c'est de l'ironie. quelques tasses, oui, pour du thé. D'accord. Oui. Alors, OK. On va lire le texte. Ok, j'ai choisi parmi trois auteurs, peut-être on commence par la première, mais vous me disiez si vous aimeriez écouter les autres deux. Ce sont les auteurs, les poètes nés en Chine entre 1907 et 1920. Et la Chine, pour vous donner un peu de l'arrière, un peu. Comme un arrière-plan de ces poèmes. Ils sont écrits à travers les temps. La Chine a connu beaucoup de guerres je crois peut-être depuis le début du 19e siècle ou peut-être même avant, mais à partir du 19e siècle, il y a c'était un pays. C'est quoi, clivé de guerre civile et ensuite de guerre sino-japonais avec les Japonais. So, aux frontières et il y a un temps de, c'est quoi, c'est un temps de folie quand il y a trois armées qui se battent en Chine. Deux sont des nationalistes, les Kuomintang, le généralissimo Chiang Kai-shek, qui a été soutenu par les États-Unis. L'autre était les communistes, par Mao Zedong. Et le troisième était les Japonais. So, alors, on pouvait imaginer la Oui. condition qui existe en Chine. So, Tout à fait. alors, pourquoi ai-je choisi ces trois poètes modernes, parce qu'ils ont vécu à travers le temps quand il y a un complet rejet de tout ce que la Chine, la civilisation chine ont été fondées, tous les principes, tout le sens de Dieu ou de déesse, tout l'ordre des choses sont complètement bouleversés. Et mais les Chinois, ils expriment en caractère chinois qui sont les presbytéros, qui puisent sa force dans les images
du passé. Mais en traduction, ce sont les traductions par ce écrivain très renommé, célèbre François Cheng, qui est membre de l'Académie française, oui, en France. So, il a, c'est quoi? Il a traduit les poètes, les poèmes de ses compatriotes. Lui-même, François, il est très vieux maintenant, il s'est enfui la guerre pendant les années 40. Et il s'est embarqué pour l'Occident et il a choisi de rester en France. Il est un poète lui-même très renommé. So, alors, pourquoi oui, il a choisi? Je le connais. Oh, François Cheng. Oui, oui. Oui. La vie est ici, son recueil, j'ai un recueil, c'est La vie est ici de François Cheng. C'est un auteur que je connais. Ah, fabuleux. Quelle est son œuvre? Oui. Il a écrit des nouvelles, des traductions de poésie, les méditations sur la beauté, etc. Oui. Voici alors, un premier poème. Texte. Oui, premier texte vient d'un poète qui s'appelle Tang Qi, qui était né en 1920, mais il n'y a pas beaucoup connu de lui, sauf que sa poésie a été décrite comme une poésie avec une allure déliée et une musicalité très particulière. Mais à mesure que le poète pénètre la réalité humaine, le ton de son œuvre se fait plus grave. Ce voici. Heure grave. Je vois beaucoup d'hommes silencieusement pleurer dans la nuit. Beaucoup de femmes pleines de douceur soudain gagnées par la folie. Le matin, près d'immondes ordures, je chasse les chiens affamés et ramasse un nouveau-né. Ils entrent en moi et vivent de ma pensée. So, en quelques lignes. Alors, pour moi, c'est saisissant parce qu'on peut imaginer la vie en Chine en ce moment et ce poème écrit en peut-être chaque phrase, pas plus que 4 caractères et peut-être le poème entier contenu en 3 ou 4 petites phrases. Mais ça, c'est oui, la manière de s'exprimer en chinois. Oui, c'est une simplicité qui explique toute une largesse d'esprit cachée dans quelques mots, dans quelques caractères, pour faire court, et dire beaucoup de choses en disant avec peu de mots, c'est ça. Je pense que c'est pour cette raison aussi que mon ami Francie apprécie les textes de François Cheng, très profonds. La forme est grande, non, la forme est petite, mais le fond est vaste. C'est peut-être pour ça qu'il apprécie ces textes aussi. Merci Léonora pour cette première lecture. Tout à l'heure, vous pourrez nous lire un autre texte. Là, nous pourrions écouter Argens, encore une fois, qui nous lirait Times New Roman. C'est un autre texte qu'il a écrit, lui. Il n'a pas de texte sur le thé. Mais tout à l'heure, il nous a expliqué ce que fait la main. Maintenant, Times New Roman, on sait que c'est des caractères des polices quand on écrit. Voilà, on va voir ce que les T nous ont permis d'écrire, de produire. Agnes. Je suis là et bon, malheureusement, il y a une coupure d'électricité. OK. Mais je vais essayer de faire ça le temps que tout ça fonctionne. Vous êtes là? Oui. Oui.
Donc, Satan. le texte que je vais partager, c'est Tiny Woman. Voilà. C'est un extrait d'un livre que j'ai écrit, que j'ai publié en 2021, et avec un titre un peu polémique, ou bien controversé, qui dérange un peu l'assistance. Et que j'assume. Le titre, c'est « La bouche du poète n'est pas un anus ordinaire ». Et il y a une deuxième partie qui est suivie en plein cœur du jeu. Donc, il y a un texte titré « Tiny Woman » qui figure dans la deuxième partie du livre, qui commence ainsi. « Zéro faute d'être grammaticalement soi-même. Zéro faute d'être grammaticalement soi-même. Si je glisse bêtement près de toi, les ruelles de minuit, ce n'est pas par amour de chute, ni pour que tout se confesse dans ce regard qui fut approché, effleuré, derrière le désastre, mais pour que tu comprennes que t'écrire avec mes tripes a fait de moi un trafiquant d'organes. T'écrire avec mes tripes a fait de moi un trafiquant d'organes. Tiny Woman. Merci Ardens, Times New Woman, un texte très intéressant. Écrire a fait de toi un trafic d'organes. Je te dirais tout simplement attention Ardens, parce que on a besoin des organes pour que le thé circule. C'est très important pour nous les organes. Pour préparer le thé, on a besoin des organes. Faites attention Ardens. Et après un tel texte, est-ce que notre ami Olivier, Alix, est là? Est-ce qu'il peut faire signe? Alix Olivier Dirigole, c'est un comédien. Il n'est pas encore... Ah, il est disponible? Olivier? Yeah, je suis là. Mais il n'y a pas d'électricité là où je suis. On vous entend quand même. Est-ce que je peux dire mon texte? Allez-y, ouais, allez-y. Ah, ok. Attends-moi. C'est poésité, un mélange. Yeah, c'est pas moi. Et je vais vous dire un texte de Alfred de Musset qui est titré Mars. Et texte est parti comme ça. Ah, que Mars est un joli mois. C'est le mois des surprises, du matin au soir, dans les bois. Tout change avec les brises. Le ruisseau n'est plus engourdi. La terre n'est plus dure. Le vent qui souffle du midi prépare la verdure. Alfred de Musset. C'est un très beau texte. Oui, très joli. Et je vais lire. Si. Est-ce que je vais relire le texte? Hein? Oui, vas-y. Une dernière fois. Oui. Hein? Vas-y, Olivier. Vas-y. Ok. Titré Mars. Ah, que Mars est un joli mois. C'est le mois des surprises, du matin au soir dans les bois. Tout change avec les brises. Le ruisseau n'est plus embourdi. La terre n'est plus dure. Le vent qui souffle du midi prépare la verdure. C'est le texte de Alfred de Musset. Merci, merci Rigole pour ce beau texte. Le mois de mars, effectivement, c'est un mois très intéressant. Mois de surprise. Eh bien, nous avons fait notre surprise au mois de mai avec poésie. Un mélange, comme vous l'avez vu, de thé et de poésie. Et merci Rigole d'avoir accepté d'être des nôtres. Maintenant, est-ce que
Fancy, est-ce que tu as une autre tasse de thé à nous offrir en plus des sept Oui, qui sont passés? bien sûr, bien sûr. En fait, félicitations aux gens qui ont déjà lu. C'est exceptionnel. Et merci encore une fois à Johnny. Merci, merci beaucoup. Le texte que je vais vous lire s'intitule Le thé de Théodore de Banville. En mise en contexte, Théodore de Banville, c'est du 19e siècle. Il a fréquenté Victor Hugo, Baudelaire et même Théophile Gautier. Donc, j'espère que ça va vous. J'espère que les textes vont vous plaire. Allez-y. Le thé, Miss Hélène, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise. Où des poissons d'or cherchent noise aux monstres roses épouvantés. J'aime la folle cruauté des chimères qu'on apprivoise. Miss Hélène, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise. Là, sous un ciel rouge irrité, une dame fière et sournoise montre en ses longs yeux de turquoise l'extase et la naïveté. Miss Hélène, versez-moi le thé. C'est de Théodore de Banville. Théodore de Banville, verse-moi le thé. Combien extraordinaire est ce texte. Est-ce que vous pourrez prendre le temps de relire, s'il vous plaît, parce que moi j'adore, s'il vous plaît, D'accord. une relecture. Le thé de Théodore de Banville. Le thé. Miss Hélène, versez-moi le thé. Dans la belle tasse chinoise, où des poissons d'or cherchent noise aux monstres roses épouvantés. J'aime la folle cruauté des chimères qu'on apprivoise. Miss Hélène, versez-moi le thé dans la belle tasse chinoise. Là, sous un ciel rouge irrité, une dame fière et sournoise montre en ses longs yeux de turquoise l'extase et la naïveté. Miss Hélène, versez-moi le thé. Ça, c'est une thérapie pour l'âme Oh. avec de la rime, du thé, naïveté, etc. C'est Oui. très intéressant. Le côté lyrique qui guérit l'âme. Oui, Argens a un commentaire. Oui, c'est merci Amboise pour ce partage solaire. J'ai beaucoup aimé le texte. Merci, Agnès. Léonora, qui n'a pas arrêté de sourire quand Oh Francie lisait, est-ce que vous avez un commentaire? oui. Je trouve ce poème très, très élégant, surtout quand il parle de, c'est quoi, versez-moi de thé, c'est présumé dans sa tasse, et il décrit les poissons d'or, etc. Une femme qui chasse, une femme, a décrit une femme. Je crois peut-être qu'il parle du dessin de tasse de thé parce que les tasses de thé, c'était pourquoi il porte beaucoup de dessins. Et peut-être il imagine aussi dans ce dessin soit des poissons, soit des figures. C'est comme se perd, il se perd dans le boisson, dans le moment d'apprécier le thé. Parce que les Chinois, quand ils versent du thé, ils versent très lentement, ils admirent. Ça, c'est les connaisseurs du thé. Ils admirent les couleurs, le processus, le petit goutte de thé ou de c'est quoi le, comment dire, comment dire en anglais, on disait. The flow of the tea, quand le thé coule du pot, et il c'est comme il s'immerse dans toute l'activité d'apprécier le thé. Et
pour un occidental qui est dans Banville, il donne, pour moi, il donne le sens qu'il a capturé comment apprécier le thé aux manières orientales. À la manière orientale. Il a donné vie à la tasse de thé. Il a donné vie au texte. Il l'a bien charpenté. C'est extraordinaire son travail. Et sur ce, on pourrait peut-être rester dans cet esprit oriental avec un texte de Léonora. Qu'est-ce que vous en dites? Ok. Ah. Ok. Oh, je suis. J'ai été, c'est quoi? Été dans une crise de choisir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de très grands poèmes. D'accord. So, alors, ma deuxième, c'est. Réfugié, ça c'est écrit par Eamon qui a été né en 1907 et qui a connu beaucoup beaucoup de troubles pendant la guerre sino-japonaise en Shanghai et il a été accusé d'être espion contre-révolutionnaire. Il a été jeté en prison où il a, c'est quoi, pourri pendant 12 ans et ensuite, à son, c'est quoi, quand il était à 67, il meurt de ses maladies, c'est trop de souffrance. Le chagrin, oui. Et je crois que ce poème est très, c'est quoi, éloquent pendant nos jours. D'accord. Réfugiés en exode. D'où venez-vous? C'est une question qui fait rougir. Le pays natal n'est plus que cendre. Sur les digues du lac, en vain, demeurent saules pleureurs et fleurs des pêchers. Où allez-vous? Devant, rien que route sans fin, chargée de vent de sable. Venant de la guerre, allons vers la guerre. Réfugiés en exode, Eamon, 1939. Au sommet de guerre sino-japonais. Merci pour ce partage. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces genres de textes, ils ont compressé la réalité à l'intérieur de quelques vers. Ça va être à nous de délier la langue du poème après l'avoir lu, après l'avoir compris. Délier sa langue et le faire parler, ce sera à nous. Je pense que c'est ce même modèle peut-être que Francis va insérer quand il va écrire des textes plus tard. Ou bien Alex Olivier. Oui, Olivier. Yeah, c'est un joli texte. Oh, merci. Oui. Yeah, ça a une histoire, en fait. C'est intéressant. Oui. À ce moment-là, je me trouve au Champ de Mars. Wow. J'étais à Delma et il pleut maintenant. Maintenant il pleut, pas d'électricité, c'est dur pour moi. Et ok, mais je vais vous lire un autre texte. Pas de problème. Attends-moi. Ce texte a pour titre et tardive chute de feuilles. Vous êtes là? Oui, on vous écoute. Ok. La chute des feuilles est en retard, platane, habillée comme pour une valse avec l'air. Étoile contre étoile, elle résiste de la musique tamisé du froid brillant. Des mains
Plutôt, ses droits étaient les siens. En train de remiser une guitare posée par notre fils. À l'heure de s'endormir, métronome rythmant, les percussions de vent dévoyées. Comme fermer le couvercle, marquant la mesure, esprit et terme de l'année. En cercle, crescendo, les courants font valser les platanes énervés. Leurs robes se déniant, tombant, une à une, dans un frisson, qui assermente que d'une certaine manière, tu as bien agi. C'est un texte d'une inconnue qui a pour titre tardive Chute de feuilles. C'est un très beau texte. C'est super. J'ai apprécié. C'est certain. Et puis, il a un très bel accent. Il a un style très intéressant, oui. Pourriez, Olivier, le lire encore une fois? Je l'ai rattrapé parce que mon français n'est pas à l'auteur que le vôtre. Je n'arrive pas à rattraper quelques mots. Okay, vous avez le moyen de relire? Pas de problème. C'est parti comme ça. Tardive chute de feuilles. La chute des feuilles est en retard. Platane. Habillée comme pour une valse avec l'air. Étoile contre étoile. Elle résiste de la musique tamisée du froid brillant. Des mains plus fortes, ses doigts étaient les siens. En train de remiser une guitare posée par notre fils. À l'heure de s'endormir, métronome rythmant, les percussions de vent dévoyées, comme fermait le couvercle, marquant la mesure, esprit et terme de l'année. En cercle, crescendo, les courants font valser les platanes énervées, leurs robes se déniant, tombant une à une dans un frisson qui assermente que d'une certaine manière tu as bien agi. C'est le texte. Oh. Merci Olivier d'avoir fait ce sacrifice pour être avec nous. Nous n'allons pas vous tenir trop longtemps pour votre sécurité. Si vous voulez partir, nous allons comprendre, mais nous sommes vraiment honorés de votre présence et aussi du texte que vous avez fait pour nous. Merci aussi. Merci Olivier. Merci. C'était un plaisir. Merci. Alors là, nous avons aussi perdu Argen. S'il reste Fancy et Leonora, est-ce que Fancy, tu as un autre texte ou bien est-ce qu'on va écouter le texte de Leonora ou bien? J'ai un texte sur mon téléphone. Je n'ai pas eu l'opportunité d'étudier la biographie de l'auteur. C'est de Du Yang Shang, qui est un Chinois, bien sûr. Le titre n'est pas mentionné, malheureusement. Je démarre. Par une nuit d'hiver, un ami arriva. Nous bûmes, non pas du vin, mais du thé. La bouilloire siffla, le charbon de bois rougeoya. Une lune éclatante brilla au dehors. La lune elle-même n'avait rien de spécial. Mais, les fleurs du poignet, c'est tout.
J'aime bien la fin. J'aime bien, pardon, Léonora, Merveilleux. j'aime bien la fin du poème qui me laisse sur un peu ma soif, qui ma soif demeure encore. J'attends quelque chose et hop, c'est la fin. Ouais. C'est ce qui Enfin, m'arrive à la fin du poème. c'est une bonne pointe, une bonne chute. Oui. Et aussi, c'est comme, c'est quoi, ce moment, parce que nous avons chez nous, en août, la fête le gâteau de la lune, en août. Ça, on dirait en anglais le Mooncake Festival. So, alors, on fait des petits gâteaux et on boit du thé. On mange des petits morceaux de gâteau avec du thé dans des petites minuscules tasses et on admire en même temps la lune. Ça, c'est une cérémonie. So, alors, votre poème capte très bien le c'est quoi le sentiment d'une soirée de la fête de la lune en août, en Oui, particulière en août. évidemment. Peut-être que c'est ce qui a inspiré le poète. Pour ça, est-ce qu'on peut écouter comme dernier texte un texte de Léonora, comme dernier? Oh, Est-ce OK. que Léonora peut nous lire un dernier texte pour mettre fin à cette rubrique poésité, OK. à cette occasion très intéressante? Je dois m'excuser pour ne pas vous rendre des poésies des poèmes du thé parce que j'ai fouillé, j'ai cherché. Mais pour moi, ce qui m'a beaucoup frappé était pendant les derniers siècles, le 20e siècle de la poésie de Chine. Parce que à cause du développement politique, etc., on a vu naître une complètement différente génération de poètes par rapport aux poètes anciens. Les anciens, Très bien. bien sûr, ils sont très beaux, mais c'est pour le maximum de drama, ça passe pendant ces siècles. Alors, j'ai trouvé ces poètes de l'ère moderne. Et j'ai préparé une autre, mais ce qui m'a frappé beaucoup, c'est de chercher, de découvrir un qui est marquant pour le fait que la Chine, quand il est passé à un pays communiste, se débarrasse de tout. Il se fait un pays laïque, mais en plus, il est interdit de rendre des prières aux ancêtres. Et ça, c'était un grand, c'est quoi, c'est comme un sasisme de terre pour les Chinois, parce que les Chinois ont le coutume de prier à ses ancêtres. Et toutes les religions ont été interdites, interdites absolument. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ça, c'est l'État. So, alors, pendant que nous sommes allés en Chine aux années 40-10, nous avons eu un guide très jeune, très intelligent, un c'est quoi, graduate de son Tsinghua Université des langues. Il parle anglais, il parle un peu français. Et je lui ai demandé, vous visitez vos parents? Et il m'a dit, mes parents, mais si j'ai le temps, mais si j'ai pas le temps, tant pis. Je lui ai dit, mais en Chine, on ne peut avoir qu'un seul enfant. Alors, vous êtes le seul enfant? Il dit, oui, bien sûr. Alors, mais vos parents doivent vous chérir. Et ça vous donne, c'est quoi? Vous devez rester très proche d'eux, n'est-ce pas? Et il m'a répondu, mais les parents sont les parents, mais que sont les parents? Que les êtres qui m'ont donné naissance, mais c'est tout. Ils sont très. Alors ça m'a donné, wow,
un grand écart de cette tradition d'être filial aux parents, tout d'abord. D'accord. Le second, c'est de ne pas avoir de religion. Et il a dit, il n'y a pas de Dieu. Mais ce poème m'a beaucoup frappé. C'est écrit pendant les années 50. Et ça, c'est au sommet de le mouvement communiste, quand les enfants sont encouragés à trahir leurs parents. Si leurs parents s'est trouvé, c'est quoi, en train de rendre des prières aux ses ancêtres, pas les écoles, les hauteurs, les altes, comment dire, pour les encens, etc. So, alors, ce poème, il s'appelle, c'est, vient du même poète, Iman, et il s'appelle Judas. On peut prendre Judas ou Judas? Judas Iscariot, du Bible. Judas. Ok, Judas. Ça, c'est très, très frappant, parce que la religion du christianisme est si la religion des ancêtres est jetée dans la poubelle, que se passe le christianisme et les chrétiens n'étaient qu'une très petite moitié, très petit pourcentage, mais ce poète humain, il m'a semblé à saisir complètement le sens de la christianité. Il s'appelle Judas. Et on pouvait croire que ce poème ne pouvait pas être publié que après le rétablissement après l'ordre, bien bien beaucoup longtemps après le décès de Martin. So alors Judas, lui aussi, Iman a connu, il a été emprisonné, etc. Perdu sa femme qui s'est suicidée, etc. Il y a beaucoup de drames. Judas. Au milieu des 12, Judas était là. On le savait. Oh, très désolé, je dois ajouter aussi, lui-même, Iman a été trahi par ses camarades. Oh, wow. Oui. Ok, on recommence. Au milieu des 12, Judas était là, on le savait. Trahison, mais la potence ne saurait éteindre la flamme, comme la mer ne saurait avaler l'unique perle. La révolution n'est pas à vendre, le monde n'est pas à vendre. Pas plus que sa longue histoire. Le fils de l'homme n'est pas à vendre. Seul a été vendu l'âme vile de Judas lui-même. Au milieu des 12 se tient Judas, tapis dans l'ombre de la robe du Créateur. Dans le souffle du combat du Fils de l'homme, dans l'attente vile de son vil destin. Judas. Le texte. Iman. Le texte. Oui, merci. Le texte, comme vous nous avez expliqué un peu l'historicité du texte, il est très profond. Je ne sais pas ce que tu en penses, Francie, mais c'est un texte qui est très profond, qui explique une certaine amertume, puisqu'on parle de trahison. Quand on se sent trahi, c'est pas un sentiment, c'est pas un petit sentiment, c'est un sentiment très puissant. Je ne sais pas. Johnny? Oui, Olivier. Je crois. Olivier. Pour moi, c'est un chrétien, très chrétien, qui parle du Créateur, parce que Jésus, c'est le Christ, c'est le Christ. Et ce texte, et c'est vrai que ce texte parle de Judas Iscariote. Mais c'est un texte chrétien, ok, et du traître.
Il y a deux jours, il y a un texte historique, biblique. Oui. Oui. Oui, et parce que ce poète a vécu à travers le temps, que même le Dieu, quel que soit son nom, le Bouddha, Dieu, le Dieu des chrétiens, etc., ils sont tous les ennemis de l'État. Et le trait peut se trouver dans sa propre famille, de n'importe où. On a les petits enfants qui ont trahi le grand-parent, un mari qui trahit sa femme, etc. Oui, si on comprend bien, il y avait des histoires. Oui, il y avait un climat d'histoires variées, de trahisons qui s'entremêlent. Eh bien, pour clore cette partie et chasser peut-être cet esprit de trahison pour ne pas s'installer chez nous. Est-ce que Francie peut nous relire cette tasse de thé avant de partir? D'accord, avec plaisir. Oui. Cette tasse de thé. La première tasse humecte lèvres et gosiers. La deuxième tasse chasse solitude et mélancolie. La troisième tasse va fouiller mes entrailles desséchées, n'y trouvant que 5000 rouleaux d'écrits. À la quatrième tasse transpire une légère sueur les contrariétés de toute ma vie. Par tous les pores de ma peau se dissipe. La cinquième tasse purifie chair et os. La sixième tasse me fait communier avec les immortels. La septième tasse, peut-être n'aurais-je pas dû la boire. Aussitôt un vent frais naît sous mes aisselles. Et effectivement, peut-être que je n'aurais pas dû te demander de lire ce texte parce que ce texte, on l'a lu, c'est pour mettre fin à cette édition de Poésité qui est un mélange de poésie. Attends, Alex, qui est un mélange de poésie et de thé qu'on a organisé à l'occasion de la Journée internationale du thé. On accorde 30 secondes à Olivier. Ah oui. Et ce texte ressemble à un texte de Jacques Prévert, Tos Allumettes, parce que c'est très facile. Et quand je dis facile, c'est simple l'histoire, mais c'est très poétique. Ouais, et le texte très poétique. Jacques Prévert a vraiment un style et de poème. Yeah. Oui, merci pour cette approche. Maintenant, il reste à Parole du Coin de vous remercier particulièrement Léonora qui a fait beaucoup de sacrifices pour être là avec nous, Francie, mon ami Alix, mon ami Thérèse Riquemi dans la technique et Argens qui était là avec nous. C'est notre toute première édition de Poésité, de Poésie et de Thé. On va toujours se rencontrer pour parler de poésie, pour partager poésie, peut-être pas de thé et autre chose, parce que la poésie, c'est vital. Comme on respire et on a besoin de poésie, des fois, pour distraire, pour divertir notre âme. Tout comme le thé peut nous aider à faciliter la digestion, des fois, on a besoin d'un peu de poésie pour décongestionner notre âme. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre participation à Poésité et je vous souhaite de continuer à partager de la poésie, à boire du thé et vous allez bientôt voir les effets. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Merci tous. À vous, Jean. Merci à vous et très heureuse de vous connaître, Francine et Olivier et Agnès. Mais je crois qu'il est parti. Et Rick Me, oui.
Vos poèmes sont très, très beaux. Beaux, très beaux. C'était de très belles pièces. Oui. Je vous remercie tous et à la prochaine. OK. À la prochaine. C'était un plaisir, un plaisir. À la prochaine. Un plaisir. D'accord, bye merci. bye. Merci. Bye bye. Bye bye.